Maxime Antonon, défaite 8-0 soir contre Olten. C'est difficile après un match comme ça de trouver des mots finalement. Ouais, honnêtement je sais même pas trop quoi dire, je sais pas trop ce qui s'est passé, j'ai encore un peu de la peine à réaliser, ça, il me semble que ça allait tellement vite, je regarde le score, je vois 8-0, je me dis que c'est inimaginable, mais honnêtement ouais, comme t'as dit, je sais pas trop quoi dire. Sierre avait réussi une semaine parfaite avec les deux derbies et le match à Bellinzone en prenant un but en trois matchs, et là ça fait 16 buts en deux matchs. Finalement, qu'est-ce qui a changé entre ces deux semaines? Rien, je veux dire, on a bien travaillé à l'entraînement, je veux dire, on a peaufiné certains détails, mais là c'est vrai que ça fait deux matchs que on passe à côté, on prend trop de goals, vraiment réussite minimale pour nous, maximum pour les adversaires, et puis c'est rien, ça fait des casquettes en fin de compte quoi. Bilan à la fin de l'année, Sierre est 5e. Il y a un gros challenge en 2024, aller chercher le plus haut possible et faire quelque chose en playoff. Bien sûr, c'est clair, maintenant on est quand même à la 5e place, on est bien revenu après un départ un petit peu en dents de scie. On a réussi à faire quelques séries de victoires, maintenant il faut absolument mettre tout ça derrière. Ces deux derniers matchs, c'était ce qui était vraiment pas terrible. À nous d'effacer ça et de repartir de plus belle l'année prochaine. Ouais. Merci beaucoup Maxime, bonne fête.